Sphinx qui rentre donc aujourd'hui donc pour le troisième épisode donc de Pokémon version argent. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va un peu vu que je suis un peu malade. L'autre fois on a échangé notre Chétiflore contre un Onix, on a fait la tour Chétiflore, donc maintenant on va aller s'attaquer à l'arène Pokémon. Donc c'est parti. Hey Gamin, je ne suis pas un dresseur mais je peux te donner... Ok, ça commence déjà. Quelques conseils, donc crois-moi, tes rêves de champion peuvent se réaliser. T'y crois, alors écoute bien. Les plantes sont faibles contre les volants. Quoi? Hop, on va faire ça comme ça. Et c'est parti. Montre-moi si tu es assez fort pour affronter Albert. Ah. Donc c'est Pokémon de type vol là, c'était ça qu'il voulait me dire. Désolé, j'ai un peu la voix cassée. Vous devez l'entendre à ma voix aussi, je l'ai bouché. Ok, ça c'est fait. Faudrait que j'essaye avec Fantominus du coup. Type vol. Désolé, petit lag. Enfin petit freeze carrément. Le mot-clé est le cran. Je dis si s'entraîne nuit et jour pour devenir maître de Pokémon volant. Désolé pour ces lags affreux, hein. Mais depuis que j'ai plus ma carte graphique, c'est un peu la mort. Donc Roucou le... Faire les chouilles. Ah ok. Non mais je suis bête, je recommence en plus. Faire hypnose. Ok, on va aller prendre Kaiminus du coup. Pistolet à eau. Hop. Parfait. On va ressortir Fantominus. Hein. Voilà. Parfait. Là, on ressort Kaiminus. On lui fait pistolet à eau. Il dort encore. C'est parfait. Fantominus qui passe au niveau 7. C'est cool. Et on va passer à Albert. Je suis Albert, le champion d'arène de Pokémon de Mauville. On dit qu'avec une bonne décharge électrique, les Pokémon volent en gris. Je n'autorise personne à insulter les Pokémon. Tu vas subir les terribles attaques de mes Pokémon volants. Ouais, je crois pas. Un Roucool. Tiens, fais dodo. On sort Kaiminus. Hop, voilà. Ça c'est fait. Roucoups. On va changer en Fantominus toujours. On va aller. Aïe. Ouf. On a eu de la chance. Il dort toujours. On va faire pistolet à eau. Ah non, il s'est réveillé. Ok, c'était plutôt simple. Passe au niveau 8. Il apprend des piles, mais on le fera pas. Et Kaiminus qui monte au niveau 15. Et bah c'est déjà c'est fini. Le bad c'est pire. Voilà. Premier badge en poche, ça c'est cool. Ok. Et il nous donne la CT31 donc qui est... Coup de boue. Ok. Désolé. Hop, donc c'est reparti. Ah, le prof arme. Allo Finks, on a trouvé quelque chose sur l'œuf. Mon assistant est au centre Pokémon de Mauville, pourrais-tu lui parler? Ok. Ça tombe bien, c'était sur mon chemin. Voilà. On va déjà soigner les Pokémon, au moins ça sera fait.
Voilà. Fing, ça fait un bail. Le professeur m'a demandé de te retrouver. Il a une autre faveur à te demander. Prendrais-tu le Pokémon? Bah oui. On a des go, hein? Ok. D'accord. Donc c'est parti. On va direction la prochaine ville. On va passer par le shop. Ouais, pense à acheter des potions. Là. On a acheté 4 pour pas trop mouriner. Voilà. Pokéball, on en a ou pas? 4, ouais, ça ira bien. Hop, donc c'est reparti. C'est par là, il me semble. C'est pénible, c'est lag. Yatta! J'allais éclater cet arbre avec mon poing du dragon, mais j'y arrive pas, je suis nul. Non, c'est que c'est un Pokémon, c'est pour ça. Oh là là! La caverne aux Arbis. Les ruines d'Alpha. On va aller faire un tour quand même. Bienvenue mon jeune ami. Des panneaux coulissants. Présente un Pokémon dessiné par les anciens. Déplace les panneaux. Ok. Alors, un Pokémon qui se cachait au fond des mers, les yeux sur son dos, scrutait les environs. Ah mais oui, mais c'est ça. Donc je dirais que déjà lui, il va là. Lui, il va là. Après, je dirais que lui, il va là. Lui, il va là. C'est bon, on fait des puzzles quand même. Lui, ça doit être Kabuto, il me semble. Il me semble bien que c'est Kabuto. Enfin, vu que je l'ai déjà fait, enfin, sur Or, il me semblait que c'était ça. Hop. Ouais, c'est Kabuto. Voilà. Hop, hop. Voilà. Ça, c'est fait. Ah. Ah oui. La présence des Arbis. J'aime pas les Arbis. On va quand même en attraper un. Hein. On a fait de remplir le Pokédex, voilà. Hop, on attrape que lui, après on les... Hop, on les laisse tranquille après. Voilà. Bah du coup c'est là qu'il fallait. Bien ça. Ok, on descend. Un chétifleur. On va fuir. On veut plus de chétifleur. Tiens. Ratata. Ok. On va sortir Kaiminus toujours. Ok, Pantominus passe au niveau 9. Là on va garder Kaiminus parce que ça fait rien, enfin je crois que ça fait rien. Ok, on a quand même pu attaquer. Voilà. J'ai un peu plus de cette voix. Potion. Si je pouvais trouver plutôt un centre Pokémon, ça m'arrangerait.
Ah, j'en étais sûr. Non, je te cherche pas. Ok, on va essayer de le battre nous-mêmes avec les chouilles. Ouais, non, ça fait pas grand-chose. Hein. Ah, qui dort toujours. Pistolet là-haut. Parfait. Voilà. Oula, toi, je t'aime pas trop. Ah, salut. Hé, hey, petit, ça te dit une bonne caramelos? Je te fais un bon prix à 1 000 000. Pour toi? Non. T'en veux pas? Dégage. Bah ouais, c'est ce que je fais, je dégage. Hop, on va sonner les Pokémon. Bon, est-ce qu'on a un Pokémon qui peut apprendre Flash? Non. Ok, ça c'est fait. Mince. Désolé. Ouais. Bah oui, j'ai pas de Albert, tu crois quoi? Hop. Ah, il se réveille direct. Hein. On va te coucher. Hop, on renvoie Fantominus. On refait une. Genre. Non mais. Voilà. Fantominus passe au niveau 10. Et Piafabec. Pas non plus, évidemment. Hop. Ah, il résiste bien. Lui. Voilà. Mais ça va pas m'aider le fait que. Oh, si, c'est bon. Et un ratata. Les chouilles, ah, ça l'affecte pas. Ok, on va y envoyer Kaiminus. J'essaie de l'attraper quand même. Ah bah, tant pis. Ah, fais dodo. Ok, on y envoie Kaiminus. Pistolet là-haut direct. Dodo, voilà. Niveau 11 et niveau 16. Donc mon avis, Kaiminus va évoluer. Non, toujours pas. Ok, ça doit être 18. Onyx, je l'ai déjà. Racaillou. Oh, pourquoi pas un racaillou, ça serait bien. Ah, ok, il craint pas le tuer. Mais oh. On va y envoyer Kaiminus. On va faire des charges aussi. Hop. Attendre qu'il soit dans le rouge pour être sûr. Voilà. On envoie une petite Pokédex. Voilà. Un petit Raikaiou en plus. Tu vas écorcer, n'est-ce pas? Voyons si tu es assez fort au combat. Bah ouais. Mais si ça l'affecte. Oh. Non mais oh. Et on va avec Kaiminus, pistolet là-haut. Ok. On lui renvoie Kaiminus. Je sais même pas combien de temps dans cette vidéo en plus. Attendez. Ouais, donc j'en suis à 15 minutes de vidéo. Donc le temps de sortir de la grotte, ça sera tout bon. Hop. Ouais, on va juste faire sortir de la grotte et puis ce sera la fin de l'épisode.
arrêtez. Laissez-moi tranquille un peu. Ah, c'est pénible, trop de Pokémon. Une Super Ball, ça c'est cool. Ratata, tu commences à me saouler, toi. Je te veux pas. Non, c'est rapide non plus. J'ai loupé un truc. Racaillou non plus. Un attaque plus. Ok. C'est pénible tous ces Pokémon, je vous jure. Pardon. Un réveil. Pff, trop de Pokémon. Pas être peut pas me laisser un peu tranquille. Une caverne éclairée, ça fait pas peur. C'était fort, les méchants, ça fait pas peur. Mais tu me fais pas peur, hein, je te rassure. Hop là, moi je fais ça. Je sors Kaiminus. Pistolet à eau et ah, tu tiens le coup. Hein. T'as quand même perdu. Hop. Hop, on arrive à la sortie. Hop, la petite baie. Qui au passage nous servira pour faire des Pokéballs, il me semble. Ah, Écorcia. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, et on se retrouve au prochain épisode. Allez, salut tout le monde!